Chap, ce qui l'intéresse, c'est de gagner du temps. Pour envoyer un message, par exemple, de Paris à Brest à cheval, il faut 3 jours et 2 nuits. Grâce à Chap, un message de même ampleur, mais 45 minutes. On est en 1799, hein, donc c'est exceptionnel. Claude Chap a une vision d'un réseau qu'il a réalisé en quelques années en France, un réseau, une toile, on peut dire, qui liait tous les points extrêmes de la France avec Paris. Et aujourd'hui, Internet a quasiment la même structure, on peut dire. Le télégraphe Chap servait essentiellement à l'armée, puisqu'il a été initié en pleine guerre révolutionnaire. Et le gouvernement de l'époque avait besoin d'un moyen de transmission rapide pour transmettre justement les ordres de combat aux frontières. Qu'est-ce que vous faites là? Je prends une série de photos de cette tour-là pour reconstituer la géométrie de la tour basée sur cette série de photos. Et pour faire quoi ensuite alors? Pour modéliser la tour en 3 dimensions dans un ordinateur. Avec un logiciel de CAO, de construction assistée par ordinateur. L'objectif, c'est ensuite d'ajouter à ce modèle-là la partie qui manque, c'est-à-dire le toit de la tour ainsi que le mécanisme du télégraphe au-dessus. C'était un message chiffré. C'est-à-dire que les signaux avec les bras articulés étaient émis par paire. Le premier signal indiquait le numéro d'une page d'un dictionnaire et le deuxième signal indiquait le numéro de la ligne de cette page. Et grâce à une longue vue, eh bien, le télégraphiste peut voir la position des bras précédentes pour transmettre au suivant. Bien sûr.